l'avenir nous le dira. Cofanta, c'est aussi ça. En fait, je joue hein, et puis j'improvise. Hein. Je ne suis pas en train de faire une thèse sur ce que je vais faire. Je suis comme la plupart des joueurs. Je me pose devant mon écran et je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec le lot de surprises que réserve Minecraft. Voilà. Bon, en sachant que je vais pas pouvoir faire ça pendant 10 heures, hein, parce que le jour va tomber, hein, c'est ça Minecraft aussi, c'est qu'il y a quelques contraintes de temps. J'aurais pu faire la tentative du lit, hein, que jusqu'à maintenant j'ai complètement ignoré, parce que je savais que ça allait me propulser dans un méga fail. Hein. Faire un lit, et pour ça il va falloir que je tonde quelques moutons. Voilà, ça... Ça sera pour ma petite forêt. Bon, je pense que je vais pas la faire bien loin non plus. Hein. Ok. Je vais ramasser tout ce qui traîne en termes de bois, en termes de moutonnerie. Tiens, mouton, montre-moi ta laine. Hop. J'ai pas besoin de tout ça. Bien sûr. Cela dit, c'est vrai que l'utilisation des couleurs, des tapis colorés et tout, ça peut être sympa. Donc, je prends quand même. Alors, où c'est que j'en suis? 64, c'est déjà pas mal. 10 et 17, c'est bien, ça avance. On n'a pas encore. On n'a pas de quoi faire des méga constructions, mais on a au moins de quoi se faire des coffres pour stocker les matériaux nécessaires. Tiens, la boule. Je prends, il reste des arbres. J'ai pas mal de pousses, on peut dire. J'ai oublié la partie supérieure de ceci. Hop. Je prends. Ah, et là je vois que je me suis fait prendre par le temps parce que déjà la nuit tombe. Bon, en sachant que j'ai tout ce qu'il faut. Déjà peut-être rapprocher. Enfin, je dis la nuit tombe, c'est peut-être qu'une impression. Hein. Mais c'est clair qu'on n'a pas des journées d'une demi-heure dans Minecraft. Hein. Ah oui, et qu'il va falloir que je bouche ce qui est devenu une porte, hein. faut bien se le dire, parce que, clac clac, voilà, et est-ce que j'ai le temps de faire un autre coffre comme ça, ne serait-ce que, enfin plus d'un coffre d'ailleurs. N'importe quoi. Hop, j'en ai deux. Ok, trois, c'est déjà pas mal. Hop, in the poubelle. Les coffres, je les posais dehors. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de voleur dans Minecraft, en tout cas quand on joue en solo. Et ça va être ici. Donc déjà, ça va être mes coffres à cobble. Voilà, et donc je suis dans l'incapacité de viser correctement. Et... je me vide les poches, voilà, et je vais rentrer en courant, les bras en l'air, je garde la majorité du bois sur moi, je n'ai pas eu le temps de planter mes pousses, mais je les conserve précieusement, ça, j'en garde la moitié pour me faire un lit, allez, je garde ça de bois, je descends avec le bouleau, non, et je vais garder les bûches normales, d'accord. Et là, je suis complètement surexposé. Je fais absolument n'importe quoi. Il va falloir que je cours comme un dératé. Parce que je suis pas dans la merde. Alors, est-ce qu'ils sont sortis déjà les guignolos ou pas? Alors, c'est Cofanta. Je vous fais vivre dans le noir ce que j'ai à vivre. Hop, je ferme la porte derrière moi en espérant que personne n'est rentré et en me rendant compte que, évidemment, je n'ai pas de cube de boost pour le boucher.
Ah. Déjà à l'abri ici. J'ai du bois. Je vais me faire mon stock de pioches. J'ai du bois, je vais me faire mon stock de pioches. Est-ce que je peux te dire... Oh putain, j'ai pas de cobble. Pourquoi? Pourquoi? Oh là là. Alors, il va falloir que je me fasse une pioche en bois. Mais c'est misérable. Misérable Fanta. C'est fou, ça. Allez. Pas besoin d'être avare. Hop. Il va m'en falloir pas mal. Ça peut toujours servir. Et je vais me faire une pioche en bois pour me faire une pioche en fer. Et d'ailleurs, je vais faire brûler le fer que j'avais dû laisser par là. Non, j'ai assez. Et il va me falloir aussi ma pioche en diamant. Ok. Alors. N'importe quoi. Clac, clac, clac. Une pioche en bois. Alors, j'espère que vous n'allez pas m'envoyer toute mine de messages parce qu'en fait, vous avez vu de la cobble quelque part, j'y ai pas pensé. C'est très possible. Hop. Avec ça, une pioche en pierre. Pourquoi j'ai pas fait des pioches en... Bon, des pioches en fer direct. Parce que c'est surtout ça dont j'ai besoin. Hop. Hop. Ça, j'aurais pas besoin à court terme. Je vais ramasser le métal qui traîne par là. Gourmandise, j'ai pas pu m'empêcher de creuser ce qu'il y avait derrière. Métal que je vais faire immédiatement chauffer. Et je vais me faire cette pioche en diamant dont je risque d'avoir besoin si je veux miner de l'obsidienne. On y est. On y est. Ce que je fais commence à avoir du sens. Alors j'entends des bruits louches. Forcément, je suis pas rassuré. Ok. Une troisième pioche parce que je vais miner comme un taré. Ok, et les deux diamants restent là, ça ira très bien. Un peu de cobble, je vais me fabriquer un lit. Alors si je me souviens bien, le lit c'est trois couches là, fois trois couches là. Et on va tenter l'expérience du bed, the bed. Alors pour tenter l'expérience du bed. Je ne vais prendre aucun risque. Enfin, je dis aucun risque. J'ai quasiment tout sur moi. Je vais vider mes pioches de mes précieux. Je vais vider mes précieuses pioches. Je vais, voilà. L'eau, je la garde. Qu'est-ce que j'ai pas envie de perdre? J'ai pas envie de perdre ce briquet. J'ai pas envie de perdre ce charbon. Et j'aurais pu me faire direct un deuxième coffre. Parce que celui-ci commence à être limité. Alors, je fais n'importe quoi. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. C'est moi qui commande, de toute façon. Voilà. Alors, je suis plutôt du style bordélique. Hein. Donc, moi, c'est je remplis quand c'est plein. Voilà. J'en suis pas encore du style de me faire un coffre par machin. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est l'astuce de mettre un lit avec une case de haut. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est seulement possible? Et il va falloir... On est en pleine nuit. Je mets une torche là. Donc déjà on est mal barré. Alors est-ce que c'est possible? Je fais absolument n'importe quoi, mais je fais ce que je veux. C'est mes vidéos. Alors, est-ce que je peux poser mon lit là-bas? Oui, je vais procéder à la fermeture de ce truc. Et normalement, je peux me coucher sans rien craindre. Alors peut-être j'ai des grosses conneries. Tout à fait. J'ai cru que j'avais été réveillé par un monstre. C'est-il pas beau ça? Ça a marché! Donc l'utilisation du lit était une réussite.
Et je vais mettre. Je sais pas si c'était bien nécessaire de faire ça. Mais ça a marché donc. Voilà. Ça va se passer comme ça. Moi, quand je vais me coucher, ça va être comme ça. C'est moi qui l'ai dit. Bah, on peut retourner aller planter la forêt. On a eu quand même pas mal de temps passé dehors tous ensemble. Qu'est-ce que je pourrais emmener, que je pourrais avoir besoin? Ça. Ah, j'ai pas pensé à me fabriquer un arc non plus. Silex, j'en ai pas. Est-ce que c'est sous mes yeux? Je le vois pas. Non. Non, 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 non. Et ça, ça peut servir. Allez, on sort, on va se planter cette purée de forêt. Cette année forêt. Par ici. Ça a pas l'air plus sécure qu'ailleurs. J'ai vu une araignée. Ah d'accord. Pourquoi t'es méchante? Alors là. Clou, clou, clou. Ouais. Ah, elle m'a même pas fait mal. Grâce à ma super armure. Hop. Bon, il faut faire gaffe. Il y a sûrement des creepers qui traînent. Donc le lit fonctionne. Hein. Il faudra que je m'en fasse plusieurs sur ce mode-là. Je ne veux même pas essayer autrement que dans une pièce normale, bien éclairée et tout, tout simplement parce que, voilà, parano, parano. Hein. Je ne veux pas mourir pour le plaisir des fans. En tout cas, purée. Là, c'est l'armée de creepers, quoi. Est-ce que tu vas mourir? Voilà. Voilà, c'est du méga terraforming. Hein. Et le dernier, s'il n'y en a pas un qui m'arrive dans le dos. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Là j'en vois un. Non, il faut que j'élimine toute menace potentielle. Voilà, c'est bien ça. Alors, comment je m'organise pour cette forêt? Déjà, je pourrais commencer. L'idéal, c'est une plaine. L'idéal, c'est une plaine. La petite montagne là, personnellement, ça me rassure pas. J'aurais voulu un grand truc, mais j'ai pas de grand truc. Il n'y a pas de monstre là-dedans. Non, il n'y a pas de monstre. 12. Hop, je prends les os. Voilà. C'est mon côté Parkinson. Hop, ça. C'est... Hop, les os. Hop. 44 armes à disséminer. Pas le plus proche possible. Allez. Le problème c'est si je mets la forêt ici, je pourrais pas construire ici. Alors, ça peut être aussi une forêt temporaire que je vais entièrement nettoyer dans pas longtemps. Et m'en faire à l'occasion plusieurs comme ça, sachant que ça pousse vite les arbres. Bon, je finis cette pelle. Et les prochaines minutes vont déterminer de mon action. Je vais reboucher ce trou ici. Enfin, le trou qui est derrière moi. Alors j'espère j'espère que le temps que j'aurai accéléré me permettra de rentrer dans un format niveau timing assez correct. Alors, hop, j'étais en train d'avoir une idée par rapport à la partie exploration.
pour ça que je réfléchissais pas. Et c'est parti pour la plantation. Il y a un petit problème dans ma plantation. Non, je vais essayer toutes les trois. Toutes les trois cases. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je ne sais pas si c'est adapté. Je vais faire 1, 2, 3. On va mettre là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On continue tant qu'il y en a. J'essaie de les éloigner un peu parce que c'est quand on se trouve avec des armes qui mergent, enfin qui sont les uns sur les autres, on se retrouve dans un truc complètement impossible. À s'occuper. Bon, plus que 3. Je crois que la prochaine fois que je vais revenir ici, ça va être l'Amazonie. Voilà. Je vais en mettre un par ici. Et un autre par là-bas. Et bah écoutez, on se donne rendez-vous pour le prochain Cofanta. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Donc collecte de ressources, plantage de forêt, survie, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un Cofanta. Et peut-être bientôt la suite dans le prochain épisode. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.